Avec cette musique, on a une pensée pour tous ceux qui se battent sur leur lieu de travail ou ailleurs contre le capitalisme, contre l'exploitation. On pense à Goodyear, on pense au Canty, on pense à People and Baby aussi. On pense à tous ceux qui se battent et qui refusent que ça soit le patron qui fasse la loi. Ceux qui décident de monter des scopes, ceux qui décident de vivre en autogestion. Un maximum de bruit à l'abribus, un maximum de bruit au monodeuil ici, qui arrive à rester un espace autogéré comme ça. Merci à tous ceux qui font tourner ces endroits, on les voit pas forcément. C'est des gens qui passent leur temps à ça, parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils se battent au jour le jour. Merci à eux. Regardez, regardez votre usine, regardez-la bien. Il serait peut-être temps de vous apercevoir que ce n'est pas votre usine, mais votre prison. Écoutez-moi, ce que tu fais, fais le pleinement, pas à demi. Ibsen, le soleil me donne l'indication qui est là déjà germé. Tolstoï. Les hommes passent la moitié de leur vie à se forger des chaînes et l'autre moitié à se plaindre d'avoir à les porter. Mirabeau, et surtout ouvriers, rappelez-vous bien ceci, les patrons sont des gens comme vous, ils n'ont qu'une seule tête, ils n'ont qu'un seul cul. Ben bonjour, Adrien, Claude, je suis salarié coopérateur dans une coopérative sur Grenoble qui s'appelle Naturascope. J'ai découvert le monde des coopératives et le monde des scopes en particulier un petit peu par hasard et on m'a formé au projet politique des coopératives ouvrières de production dont je suis devenu un militant. Ce qui m'a plu beaucoup dans ce projet politique, alors que je ne le soupçonnais pas quand je suis entré, c'est la portée émancipatrice pour les travailleurs et qui s'inscrit un peu dans une lecture un peu différente de celle de la CGT puisque le projet politique des coopérateurs c'est de promouvoir l'associationnisme ouvrier et donc de réunir en une seule personne deux qualités qui sont celles de propriétaire de l'outil de travail et salarié. Et là où la vision classique qu'on a de présenter les choses, à savoir celle de la lutte des classes, c'est plutôt le rapport de force qui prime, et l'entreprise évolue en fonction de ce rapport de force, plutôt pour les employés, les ouvriers ou les patrons. L'idée du projet coopératif, c'est justement de se dire que, ayant deux casquettes différentes, on sera amené à faire les bons choix. Parce que il faut que la boîte vive et en même temps il faut qu'on ait des salaires et des conditions de travail les plus abouties possibles. Et c'est en ce sens que je pense que la CGT a toute sa place sur le débat dans les coopératives et dans les scopes, parce que du coup je suis persuadé que ces formes d'entreprises sont les entreprises de demain, mais pour autant une coopérative n'est pas nécessairement vertueuse. Et demain, là où le syndicalisme aujourd'hui se vit comme un rapport de force par rapport aux employeurs, aux patrons, demain je suis persuadé que le syndicalisme doit être un outil pour garantir un fonctionnement démocratique dans les coopératives et garantir que le projet politique de ces coopératives soit incarné au quotidien et qu'on ne se retrouve pas avec des entreprises qui petit à petit tombent dans de la bureaucratie, etc. Donc voilà pourquoi je suis à la CGT et pourquoi j'aimerais porter cette thématique.